Il n'est pas 19h. Et vous êtes pourtant dans The Big Gameowski. Et je suis d'une humeur à chier, car une fois de plus, j'ai été déçu par l'humanité. Et j'ai qu'une envie, c'est me barrer, me tirer, aller loin de tous ces gens qui sont absolument insupportables. Et pour ça, je vais prendre une machine, la première machine que je trouverai. Et cette machine, eh ben, je l'ai trouvée. Oui. Je l'ai trouvé dans un jeu. Et ce jeu, il s'appelle Far Lone Cell. Alors, si on traduit ça, ça veut dire voguer au loin, grosso merdo. Quelle tronche ça a? Ben, on va regarder ensemble, hein, tout simplement. Zipikaï, nous y voilà. Alors, le principe du jeu ne semble pas hautement scientifique, puisqu'on se déplace sur un plan unique pour partir en exploration. Apparemment, papa est mort il n'y a pas très longtemps, et je crois que mon avatar est un petit peu comme moi, il en a un peu plein le fion, et il n'a qu'une envie, c'est de se tirer au loin. Je vais récupérer ma manette, ce sera beaucoup mieux pour jouer, et on va voir s'il y a moyen de s'éloigner de toutes ces déceptions courantes de la vie commune. Allez, ciao, monde pourri. Oui, alors j'évite de commenter, ça évite de vous gâcher le trip. Je suis comme vous, je découvre le jeu et je ne sais pas trop ce qu'il faut y faire.
Quelle grâce! Donc, si on comprend à peu près tous la même chose, je viens de mettre la main sur un véhicule. Et je vais donc pouvoir accomplir mon fief destin qui est de me tirer loin, 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 loin. Allez hop, on va tenter notre chance. Hein. Alors, ce que j'ai compris moi, c'est que j'ai des cellules d'énergie là. Donc, pour aller monter le moteur. On voit sur la petite jauge à droite. Là, j'ai une lance d'incendie, je sais pas pourquoi. J'ai mon élévateur, j'ai ça qui est le frein à main, on va dire. Ah non. Bon, bah j'y vais. J'y vais, les gars, là. Je serais pas allé très loin, mais parfois c'est pas vraiment l'aboutissement qui compte, c'est le chemin. Bon, 15 mètres, c'est honorable, je trouve. Ok. Alors, ça là-haut, c'est quoi? Ah, le frein à main. Ok. C'était ça. Donc, ça, c'est pour accélérer. Ok. Ça, c'est pour compter. Ça, c'est mon treuil au cas où. Est-ce que je suis prêt pour l'aventure? J'ai pas essayé ça. Ah, je peux le tirer en arrière, ok. Et j'en ai un devant pour le tirer. Ok. L'aventure nous attend, les amanches. Alors apparemment, faut faire sortir la vapeur de temps en temps parce que sinon, ça chauffe. Et là, je me retrouve comme un con, en panne, en plein milieu du cul de nulle part. Je n'aurais su m'attendre à mieux. Thank you.
Alors vous noterez que je fais ça comme un pro. Je m'arrête, je mets le frein à main. Je pense avoir saisi les bases de ce truc. Alors, est-ce un jeu d'exploration? Un petit peu. Est-ce un jeu de micro-gestion? Probable. Est-ce un jeu d'arcade? Non. Non, je crois pas. Est-ce un shmup? Il pourrait y avoir confusion, hein, mais non, je crois pas, non. Ok, les poignées, ça sert à ça. Je me note, ça pourrait me servir. Qu'est-ce que je n'aurais pas compris dans ce truc? Oh, il y a un raccourci ici. Ok. Pas grand-chose que j'ai pas compris. Alors, il y a une gâchette pour zoomer. Et une gâchette pour dézoomer. Ce qui peut s'avérer pratique. Avant de repartir en exploration. Mais comme de bien entendu, qui dit conduire dit forcément ouvrir une canette. Et oui, vous êtes bien dans The Big Game Ski, on est là pour être quand même pas comme les autres. Sinon, ça serait pas drôle, il n'y aurait aucun intérêt. Alors, je suis un petit peu interloqué dans ce jeu parce que je me demande quoi en penser. C'est peut-être un peu tôt. Oui, je suis en rideau, mais j'avais prévu que je serais en rideau. Wow, double ration. Ah, mais en plus, il recule. Oh! Oulala, arrête-toi mec. On va faire le plein, on va faire le plein. Hop ça, tu l'as posé comme une mariée, c'est magnifique. Sauf que t'arrives plus à remonter dedans. Et là, c'est le drame. Non, mais non, les gars, merde. J'avais une entrée de ce côté, oui. Ouf, merci à toi, entrée. C'est vrai que je vais me garer un peu plus loin parce que je crois que j'ai fait de la merde là. Non. Non. Mais non. Mais oui. Mieux. Très bien ici. Hop. Alors je suis souvent circonspect devant ces jeux qui essayent des nouveaux concepts sans pour autant s'éloigner trop de choses
déjà moult fois pratiqué. Je vais le mettre au-dessus de mon lit, il sera bien. Ah, je peux même me servir d'une chaise. Je pourrais la mettre en toiture. Et oui, une chaise, c'est fait pour... en mode tongueur, quoi. Mais ma foutre, là. Hein. Non, non, donne-moi ça. C'est la chaise du boss. Et oui, il faut bien que le privilège se fasse valoir. Besoin forcément un moment ou un autre. Je suis en train de réfléchir à deux trois choses que j'aurais pu ne pas avoir prises en compte, comme par exemple lire un début d'histoire au début dans la piolo GT. Et finalement, c'est sans trop de remords que je vais continuer mon périple. Oui, on va faire ça, les amis. Alors c'est pas des plus pratiques à conduire. Hein. Faut sans arrêt appuyer sur un bouton. Je sais pas du tout ce que c'est ce gros bidon par terre. Je collecte, hein, dans le doute, je collecte. On ne sait jamais si on a la traversée du désert à faire. Parce que ma grosse hantise, c'est, sachant que de chaque côté du véhicule, il y a de ces câbles d'amarrage qui peuvent servir soit à amarrer, soit à remorquer. J'ai déjà la hantise de me dire, je vais traverser un endroit où il va falloir que je remorque moi-même, avec mes petits petons et mes petits muscles tout tendus, le véhicule pour avancer un petit peu plus loin. Et ça me ferait un peu ch... Oui, un poche. Ce serait dommage. C'est quand même marrant comme design. Allez, où? On y retourne? On y retourne. La roue libre, rien de tel, la roue libre, on s'économise. Pas d'obstacle, ça va, ça gère. Hop, 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 moussaillon. Je crois que non, là, je suis à fond.
C'est mal foutu le placement du frein à main. Quelle idée d'aller stocker ça si loin? Alors, je pense que c'est pas un jeu qui va franchement m'éclater parce qu'il faut être fan des allers-retours et j'avoue que c'est pas vraiment ma tasse. Qu'est-ce que c'est? C'est chiant, on peut pas se déplacer. Déplacer la caméra pour voir ce qu'il y a devant. Réellement. Oh là, oh là, oh là, mec. Je crois que je viens d'inventer le voyage écologique.
Salut l'ami Kento, toi aussi tu es venu vous voyager? Donc je rappelle, on est dans un jeu friend. Trop tard. Donc on est dans un jeu où et ben en fait c'est un petit peu comme tous ces jeux qui se baladent sur une ligne unique. Et on a une machine qu'on peut déplacer. Et on est un poil parti à l'aventure. Et là, je vais aller voir ce qui se passe dehors. Merde, j'aurais peut-être pas dû appuyer sur ça. Mais c'est pas grave. Aussi, ça va être grave. Monsieur, monsieur, Fren. Alors oui, ce jeu a un cachet graphique qui est vraiment particulier et qui fait plaisir à voir. Mais attends, reste à savoir s'il est vraiment intéressant. Et alors là, c'est la partie où je doute. Alors, moi, je vous dis, la partie gestion, c'est le truc qui me gonfle. Donc, gérer des trucs pour faire avancer le véhicule, ça va pas m'amuser plus que ça. À moins qu'on trouve un module automatique plus loin, on va savoir. L'idée, quand même, c'est d'avoir une narration et une découverte aussi qui nous fasse un petit peu triper pendant toute l'aventure. Et ça, c'est la grosse question que je me pose. Alors déjà là, non 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 non, monsieur. Ouh là là. Déjà là, je me merde des commandes, c'est pas mal. Et non, je veux passer récupérer. Diable, mais que tu es idiot. Ok, je vais faire le tour. Je vais récupérer ce qu'il y a sous le véhicule, tout simplement. Et il y a beaucoup d'objets qui se déclenchent pour rien. Ce qui est un petit peu, passez-moi l'expression. Casse quoi? Non, non, j'ai pas dit ça. Si, c'est casse-bonbon. Alors, je sais pas à quoi ça sert, mais si je rencontre quelqu'un qui a perdu une valise, ça servira. Si je rencontre quelqu'un qui a perdu, je ne sais pas ce que c'est, eh ben, ça servira aussi. Et vu que je suis un mec hyper organisé, eh ben, je vais accrocher ça et tout. Mais ça va être magnifique. De toute beauté. Quoi que ça, vu que ça sert à chi. Ce serait peut-être mieux que je le mette dans la chambre au-dessus. Eh oui. Merde. Monsieur, monsieur, ta valise. Eh oui. Et on va faire pareil pour l'autre machin qui a disparu d'ailleurs, tiens. Non, qui est là-bas. Il faut y voir quelque chose. C'est pas pour les vieux. Ah, private joke. Alors, je rappelle que tous les jeux sont pour les vieux, hein, même pour les très vieux des fois. Mais non, je ne tease pas, pas du tout. Alors pourquoi c'est. Je pense que cette hélice va me faire. Comment dire. Ah, puis en plus, j'ai ma chaise qui est en train de se barrer là-haut. Laissez-moi passer. Extrême urgence. Je récupère ma chaise si je la paume. Comment je ferai pour mirer l'endroit de cet endroit trônesque? Est-ce que je peux faire quelque chose avec ça? Rien. Ok. Donc t'es vraiment l'obstacle qui est là pour faire chier ton monde. Là, je m'en sors très bien. Bah, ça, c'est qu'on passe les 5 premières minutes. Après, c'est un peu plus complexe. Mais ta vie que ça. Ça s'attache? Non, ça ne s'attache pas. Il va falloir que je fasse appel au chat là. Ça va être grave. J'ai un obstacle, une machine qui n'est sûrement pas assez costaude pour le défoncer, je pense. Je ne peux pas attacher ça dessus, ce qui est assez triste. On va la jouer à la bourrin. On va essayer de foncer dedans déjà. Que dalle! Et je crame mes ressources pour rien.
Alors, un peu de logique, un peu d'astuce. Est-ce que la voile m'emmerde? J'en sais rien. Dans le doute, je vais voir si je peux la rabattre. Ah, mais je te vais. Ah, j'aime vraiment pas les déplacements du truc. Ok, ça c'est check. Je m'assois pour réfléchir un petit peu. Ah, je tire une note sur ma clope. Et après, je suis tristesse. Je vais me mettre sur la proue et je vais faire roi de pas le monde, puisque je ne puis plus avancer et je suis fort marat. Marat, qui est l'expression du moment à remettre à la mode. Alors, je peux faire un autre truc de connard diplômé. Ce serait de prendre de l'élan et y aller à la bourre. Sachant que j'ai quand même repéré ça. Ça là. 1, 2, 3. Trois petites jauges. Et je peux pas dire de la jungle, on n'est pas dimanche. Mais ce sont trois petites jauges qui m'indiquent des trucs. Des trucs truquesques. Genre là, ça m'indique que c'est sûrement pas bon. Ça, c'est moyen bon. Et ça, c'est sûrement très bon. Et je ne sais pas à quoi ça correspond. J'ai vraiment l'air d'un. Alors, on va essayer le truc le plus con du monde. C'est balancer de la flotte. Vu que c'est une hélice. Hein? Hélice, Venturi, Venturi. Eh ben, Venturi flotte, quoi. Mais non, c'est pas possible. Attends, j'ai un début d'idée, là. Bon, c'est bon à savoir, je peux foutre de la flotte de partout. Et les gens dans le chat, plutôt que de rigoler. Hein? Je veux bien des idées. Parce que moi, je vais nettoyer le vaisseau pendant ce temps-là. Hop. Voilà, il est tout propre. C'est super, il est nickel. Alors, le gag, c'est que ça se trouve, j'ai plus d'eau. Du tout. Plus jamais de ma vie. Parce que j'ai tout cramé. Ah ok, il aurait peut-être pas fallu cramer toute la flotte. Donc, l'idée de la flotte, c'est cramer. Je rappelle que en fonction, j'ai. Donc je peux alimenter le moteur là, de ce côté, avec les petites cellules ici. Ce moteur, je le déclenche ici. J'évacue régulièrement la vapeur, sinon je pense qu'il va péter. Mon frein à main, ben, c'est un frein, et il est à main, idéalement. Devant, j'ai un treuil. Ah, papap! Et si je le tombais avec le treuil? Mais je peux pas l'attacher. C'est le problème que j'ai. Alors, je vais jouer au con, je vais rentrer dans le vaisseau. Je vais faire Wild Coyote. Je n'ai pas de sauvegarde. Non, je n'ai pas de sauvegarde. C'est encore un jeu que j'essaye pour la toute première fois, comme j'en ai d'habitude. Et je ne stream quasiment jamais des jeux que je connais déjà. C'est vraiment très très rare. Et celui-là, c'est. Oui, bah, il a été installé il y a 20 minutes. Et j'ai fait, je vous le stream il y a 10 minutes. Et maintenant, on est dedans. Et on est déjà coincé 10 minutes après. Moi, je pense qu'il y a un truc que je n'ai pas observé correctement. Et je vais m'en vouloir quand je vais trouver le truc, ça va m'énerver. Mais je ne sais pas ce que c'est du tout. Et regardez les gars. Regardez les gars, le décor. On s'est fait niquer, mais en beauté. Regarde-moi ça. Putain. Alors, insérer ici des gros mots en série. Hein. Des espèces. Oui, ça se casse tout plus ou moins la gueule. Je vais aller piquer ça discrètement. Hein. Jouer du piano, est-ce que je peux? Non. Dommage. Cette clochette en proue va être du plus bel effet, je le sens. Je le sens bien. Je vais me la poser là, tranquille. Yatta. Alors. Donc le jeu se complète hein, au fur et à mesure. Il y a un peu de gestion, il y a quelques énigmes quand même, mine de rien. Oula, 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 oula.
Oui, pas sur ma gueule, de préférence, hein. On ne se connaît pas, on se vouvoie encore. Tiens, ramasse ta cloche au lieu de dire des conneries. Ah, je crois qu'il y avait quelqu'un qui se l'est pris sur la gueule plus loin. Le cri a été relativement clair. Désolé. Pas fait exprès. Ça, je vais le mettre. Il n'y a rien pour accrocher là-haut. Oui. Bon, je vais y laisser là, hein. Le temps de temporiser, on va dire. Bon, j'ai fait tomber mon obstacle. Nous sommes prêts à repartir. Nous sommes prêts à repartir en mode écologique. En mode écologique. Vive les voiles. Je vais quand même rentrer dedans au cas où il y aurait besoin de mettre un gros coup de frein à main. Parce que ce serait quand même ennuyeux. Alors, je suis désolé pour les gens pressés. Je suis en mode balade. Je vais surtout pas activer le moteur. Je suis comme vous, je découvre le jeu, donc j'ai envie de m'extasier un minimum. C'est vrai que c'est pas moche. Un bon petit côté steampunk, tout gentil. Il n'y a pas de drame à l'intérieur? Non, pas de drame. Je rappelle que j'ai deux gâchettes, hein. Une pour dézoomer et une pour zoomer à l'intérieur. Et que la vue par défaut, c'est cette vue éclatée. Hop, 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 hop! Maurice! Qu'est-ce qu'on fait là? Bah, on va mettre de la benzine. Non, ça passe. En fait, j'ai un tracteur, c'est comme ça que ça s'appelle en langage technique. Bah, du carburant, si j'en ai. Hein. Le carburant, c'est les petites caisses que j'ai arrimées un petit peu partout à l'intérieur du vaisseau. Ceci dit, si je me tape une côte un peu raide, je pense que les voiles ne suffiront pas. Ah, on n'est pas loin de l'usine Bugatti, apparemment. Qu'est-ce qui m'arrive? Il va falloir s'arrêter, jeune homme, je pense. Tu l'as garé comme une mariée. Merde, ma chaise. J'ai ma chaise qui se barre. Et bah allons voir quel drame se trame. Saute, 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 saute. Ravitaille, hop là. Alors ce que j'aimerais bien tomber, c'est sur une caisse de glace américaine très grasse. Ça serait agréable pendant le voyage. Donc j'ai tout un mécanisme qui me fait pas plaisir. Oui, l'autre expression n'était pas très consacrée. Et qu'il va falloir que j'active les échelles du début. Est-ce que je peux pas les attraper vu que je suis sur un plan? Eh ben non. Eh ben non, douille. Ok, Doc Doc. Tu veux ta benzine? Tiens, prends ta benzine. Ok, Doc Doc again. Alors, pour être tout à fait honnête, je m'attendais à un jeu pire que ça. Je m'attendais à un jeu où on se fait vraiment très chier dès le début. Mais là, entre le fait de découvrir... et l'autre qui fait que il y a plusieurs activités...
Salut, je veux descendre. Je suis coincé, je vais me scratcher. Ah oui, non, mais j'ai une jupe parachute. J'oublie toujours mon kilt magique. C'est super important dans les aventures, ça. C'est Lone Cell, le nom de ce truc. Je vais m'autoriser une petite pause, comment dire, qui n'était pas du tout prévue. Si vous le permettez. Je vous laisse le jeu quand même. Non, Lone Cell. Vogage tout seul, au loin. Phare, Lone Cell. Je reviens, j'en ai pour 1 minute. Si je me lave pas les mains. S-A-I-L. Cell comme voyage. À la voile. Et c'est donc ni les mains lavées et totalement débraillé que je reviens attaquer la suite du stream. Oui, Lone Cell, c'est bien ça. Phare de point Lone Cell, disponible sur Steam. Bien que ce ne soit pas mes partenaires, j'attends toujours le chèque. Ah, et si on déployait nos voiles, au lieu de dire des conneries. Les voiles, elles vont pas passer là-dessous, si on est logique. Ouais, mais bon, tout se tente. Oh putain! Je vais regretter de plus avoir de flotte, moi. Hello, j'en trouve où? J'en trouve où, du con, de la flotte? Ça, c'est du carburant. Le pire étant que je viens de pisser, quoi. Je pourrais pisser dessus pour l'éteindre. Fire, there's fire. Please call the fire squad. I have a threat, there's fire somewhere. I'm going to send an email for the fire squad. Dear fire squad, I am in a very, very strange mission and I'm afraid there's fire. So, could you please be nice enough to send me any help or anything like this? Vous savez quoi? On va rouler brûler. C'est une figure de style, mais au moins, on pourra pas dire qu'on n'a pas la classe. Allez hop, c'est pas grave. Ah! Non! 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 Allez, je vais faire avancer le véhicule. Non, je n'ai pas besoin de la clochette, désolé. Je vais prendre ça. Voilà, on va faire ça et on va faire comme si on n'était pas du tout affolé. Voilà, tout va bien se passer. On va démarrer. Le vent, ça va éteindre. Le vent, c'est ça. Le vent va éteindre. J'en suis sûr. Je suis sûr de mon coup là. Regardez-moi ça, c'est toute beauté, non? Là, plus rien ne m'arrêtera. Allez à fond! Wouhou! Aigle de la route! Alors je vais voir ce que ça fait quand je mets un bidon comme ça de carburant. Si c'est dramatique. Ça pourrait l'être, hein, mais dans la situation où je suis, je pense pas que ça puisse être pire. Mais ça ne marche pas ça. Ah si, ça marche! Allez, on continue. Je vais me cramer un peu, je pense, en poussant ça. Allez. On est à fond, on est à fond! On est des cheminots, quoi! C'est Mad Max, ça y est, j'ai transformé le jeu en Mad Max.
Tu la sens, ma grande impérator? Je vais voir si on peut déployer les voiles malgré que ça brûle. Là, il me fait toc 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 toc, genre tu vas crever. Est-ce que j'ai rien pour me réparer dans les conneries que j'ai récupérées? Je sais pas à quoi ça sert tout ça. C'est pas un truc, un kit d'urgence ça. Non, ça doit pas être ça. Ça doit pas être ça. Moi je sens que c'est un peu la panique hein, dans ce vaisseau, je peux pas dire. On va avancer, hein, histoire d'être cool. Allez à fond. Wouh, pour le prestige. The prestige. L'idéal, ça serait que je trouve une falaise et que les jauges. Et que je tombe dans un précipice, dans une chute d'eau. Ça serait-il pas parfait? Allez, il y va, il y va. Wouhou! Ah, la vapeur, vite, la vapeur. Sinon, ça va encore exploser. Bon là, je suis super bon, je le sens bien. Ah, j'ai ma chaise qui va se casser la gueule de dessus. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est même pas un game over, c'est ça le truc le plus rigolo. Si, c'est un game over. Et donc là, tu sors ton mobile et puis tu appelles l'assistance 2424, quoi. Allô? Insérez la marque ici. Assistance? Oui, je suis au fin fond du cul de nulle part. Vous pouvez envoyer un hélico? Elle marchera forcément beaucoup moins bien, effectivement. Alors, le jeu n'est pas un gros chien pourri. Il me remet pas trop loin en arrière. Je suis où là? Je suis à l'endroit où ça se passait bien, à l'endroit où il faut que je me rappelle les choses à faire, notamment vérifier ma flotte. Hein, on va faire ça, on va faire ça avec un peu de logique. Une flotte que j'ai complètement vidée tout à l'heure hein, en faisant le con. Arrête! Ne touche plus à cette eau, ne touche plus jamais à cette eau, c'est fini. Tu es interdit d'eau de toute façon, même si tu as du pastis, tu le boiras pur. Voilà, punition. Hop, on va se monter ça tranquille à la réserve, hein. Hop, hop, Houston, et enfin, on va se faire un petit plein. Bah, il m'a remis en arrière, donc là j'avais encore d'eau, j'avais pas fait le con avec. Parce que si tu as bien observé le stream tout à l'heure, j'ai tiré le tuyau juste à l'extrême de l'autre côté, j'ai vidé l'intégralité de la réserve d'eau. Ceci dit, il serait fort intelligent que je m'enquérisse de savoir par quel moyen je récupère de la flotte. Parce que ça risque d'être un gros problème, puisqu'on peut avoir des incendies à bord, et que je pense que. Ce n'était pas le premier. Alors, il y a un obstacle au bout. Pense à mettre un gros coup de patin. Hop, on va se laisser en roue libre, tranquille, jusqu'au truc, hein. Non, mais j'ai pas dit ça. Putain, le bouton de frein à main est super mal placé. Et ça doit être un poil fait exprès, je pense. Mais putain de bordel de. Alors, faut que je me prépare à mettre mon gros coup de patin. Iche! Ouais, c'est comme les trains, il y a un peu d'inertie, je prévois d'avance, hein, parce que j'ai pas envie de me faire bananer une seconde fois. Mes jauges sont toutes bonnes. Je vais aller activer mon petit machin que j'avais vu là-bas. Je vais me jeter ça dans mes réserves, gourmand que je suis. Le problème, c'est qu'il y a des réservoirs, il y a des caisses, et j'ai pas trouvé le truc identifié de la flotte. Et vu que le jeu me permet même de mourir éventuellement si je reste trop longtemps dans les flammes, il doit y avoir des pharmacies ou une connerie comme ça. Allez, petit bonhomme, on y va, comme d'un seul homme hippie-curie. Ouais, c'était bien ça.
Tout à fait, entre nous, je me ferais moins chier si je piquais cette bécane au premier plan. Allez, j'y vais. All systems ready. Ah, faut pas que j'oublie de mettre un coup de patin parce que oui. Oui. Donc je me mets au milieu et je mets un gros coup de patin. Puisque ça ne va pas passer de l'autre côté, il y a l'autre partie du pont qui arrive. On va avancer un petit peu, histoire de dire qu'on fait ça bien. Ouais, pas mal là. Ouais. Un petit peu pour le. Ouais. C'est chipoté, mais bon. C'est histoire de. Moi, je pense qu'on est pas mal ici. Alors, fait chier la caméra, on peut pas la bouger latéralement pour voir si on est bien, bien, bien. De toute manière, ça passe là-dessous. Est-ce que je m'emmerde? Allez, feu! Hop là! Adieu la barrière! Bim! Ah ouais, non, mais moi je suis pas là pour déconner. Qu'est-ce qui va m'arriver comme saloperie? Alors là, j'ai le temps d'aller réalimenter la machine à chouchou. Hop! Je vais me garder les gros bidons pour plus tard, non? Ce serait peut-être raisonnable. Bon, on s'en fout. Je vais pas le one credit, je pense. Il serait peut-être temps de redévelopper ma. Redéplier. Oulala, c'est la fatigue, c'est ça. Redéplier ma voile, non, c'est pas con. Pas devant. Hop. Pour le plaisir. Au cas où le vent se lève, comme. Alors c'est chiant cette jauge qui se désenclenche à chaque fois. Pas d'obstacle à l'horizon, capitaine. Allez, pousse, petit on pousse. Iche! Tant pis pour cette caisse, elle est toute seule. Je m'arrête plus que pour des flopées de caisses et de bonus ou alors des lingots d'or, mais voilà. Je vais faire mon rat. C'est quand même bizarre parce que du coup on est obligé de surveiller dehors tout en gardant un petit œil à l'intérieur. Vu que j'ai cette damnée jauge de vapeur qui peut me faire des pièges à con. Et que l'histoire de la flotte tout à l'heure, ça m'a relativement refroidi. Ça y est, le vent se relève. Allez, machine, avance. Enfin, le vent se relève. On va dire si c'est un demi-faible ou un demi-succès. Allez, ramasse-moi ça. Oh putain la descente, il y a un piège à con. Attends, 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 frein à main. Yep, Maurice! C'est quoi ça? Pousse-toi, toi. Non mais pousse-toi, 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 pousse-toi. Tu m'énerves. Je vais te foutre dans la chambre. Voilà, tu m'emmerderas plus. Goodbye. Ah, tiens, regarde, t'as un crochet là en plus. C'est pas faux. Rabattre les voiles. Donc du coup, ça rallonge vachement le jeu, parce que la moindre action qu'on fait, oui, il y a des conséquences, forcément.
Je ne vois pas ce que c'est comme item ça. On va dire que c'est de la flotte pour essayer. Ça se tente. Non! touche pas la flotte. C'est comme touche pas au Grisby. Pareil. Touche pas la flotte. Ok, échec. Mais c'est pas grave, c'était tenté. En tentant, on découvre. Hop, hop, bouge, 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 bouge. Eh oui, mais je peux plus. Quand c'est baissé, ça, je peux pas repasser dessus, je peux pas le relever, et c'est juste pénible. Pousse-moi ça là-bas. On va se faire un prix de groupe. Ich. Ich. Non, là, bagot, putain! Ce fut pénible, ce fut douloureux, mais ce fut parfaitement accompli. Et maintenant, nous allons slider vers d'autres horizons. Pourquoi ils ont fait ce truc aussi étroit, du coup? C'est la merde, là. Alors, peut-être que un équipage organisé n'encombrerait pas ce passage. Je peux aussi l'admettre. Ceci dit, est-ce que j'ai une gueule d'équipage organisé? Honnêtement, non, non, d'accord. Allez, feu. Wouhou! Peut-être regarder ce qui m'attend parce que les probabilités de grosses blagues sont assez élevées. Oh, la météo aussi, mais c'est quoi ce bordel? Sympa pour l'incendie, effectivement. Ça aurait été autant d'emmerdement au moins. Du feu, pas de problème, extinction naturelle. Bon, il sent très bien ici ce machin. Parfaitement honnête, hein. Ça fait je sais pas combien de temps qu'on stream, hein. Ça fait putain, 1 heure déjà. Okay. Il y a eu quand même un quart d'heure d'intro. Moi, ce genre de jeu sur le PC, c'est pas le truc qui me donne envie de revenir. Par contre, sur un smartphone, bah surtout avec le touch, quoi. Non! Surtout avec le touch, je pense que c'est un jeu qui est juste idéal, quoi. Comment je monte avec mon toyo? Monsieur, monsieur,
C'est bon, je gère. Je suis. L'électricité, il faut pas trop arroser, il paraît. Il peut y avoir d'autres problèmes. C'est ce qu'on appelle le problème numéro 2. Donc ma jauge de tout à droite est complètement en bas. Donc on va dire que c'est celle qui représente les voiles. Il y en a une qui représente autre chose et l'autre encore autre chose. Comment je prépare? Très très bonne question. J'ai différentes caisses que j'ai accumulées ici, mais il n'y en a aucune qui me donne vraiment d'application sur cette fonction. Ça c'est tout, c'est utile. Il est quand même très arbitre ce jeu. Pour avoir pensé à ce genre de concept, faut, je sais pas ce qui est passé dans la tête du gars qui a développé ça. Profite de l'élan. Ciao, monsieur Kento. Merci de la visite. Oula. Avec gentillesse. Je pense que je suis bien calé contre là. Ça passe. Oh non, non. J'ai jeté le bidon en bas. Le truc qu'il fallait pas faire. Monsieur. Y a pas un bidon par là? Super. Je te kiffe. Je t'adore. J'aime tout ce que tu fais. C'est quoi ce truc? Un inter pourri. Je ne peux pas interagir avec.
Toujours penser à mettre le frein à main sur un véhicule à l'arrêt. Ça peut porter préjudice, sinon. Est-ce que ça va être la synchro de l'année? Moi, je dis oui. J'y crois très fort. Oh merde, ça descend pas plus bas. Quel dommage. Alors attends voir, il y a un coup de Trafalgar à faire. Hop, et là je me laisse tomber. Non, ça ne marche pas. Oui, mais je peux aller souder ça. Oh, j'aurais pas dû me laisser tomber, je suis idiot. C'est un poste à souder qui va me permettre de réparer ce damné bouton. Ou pas. Cool. Merci parce que la soudée était cool. D'ailleurs, je t'emmènerai bien tout en bas en fait. Mais tu te lis dans mon esprit, c'est incroyable. Non, on n'avance pas le truc. Prends la main, Mounet. C'était moins une. Donc apparemment on a plein de pièces pour pouvoir customiser au fur et à mesure le véhicule. C'est amusant. On va laisser ça là en attendant. Je vais inspecter cette nouvelle pièce que j'ai installée, qui est à côté de la flotte là, et qui va me permettre normalement de réparer si on est logique. Donc quelle bonne nouvelle! Yeah.
Alors, vous savez ce qu'on va faire, les amis? Je vais ramasser ça. On va avancer jusqu'au prochain endroit qui va s'avérer être un obstacle. Et puis, je vais arrêter le stream ici pour vous donner une opinion de ressenti du jeu. C'est pas un grand jeu sur un PC, c'est certain. Et je reviens sur ce que je vous disais pendant le stream. Je pense que ce jeu sur mobile doit être assez plus intéressant, quoi. L'interface semble totalement faite pour. Parce que s'amuser à faire des allers-retours comme ça, au joystick, c'est juste pathétique, quoi. C'est un truc dont on aime se passer normalement. Eh ben le voilà, mon prochain obstacle. Hop, pli au plou. Donc voilà pour ce stream de Far Lone Sail, qu'un jeu assez étrange, bizarre. Peut-être on se refera un bout de stream pour voir s'il révèle un intérêt ou si c'est juste un effet de style. À ce niveau-là, je peux pas vous le recommander, je peux pas vous dire au contraire non, il est pas bien. On a un jeu qui est vachement bien. On a une ambiance, une patte graphique. Reste à voir maintenant sur la durée, si c'est pas lassant, si ça sait se renouveler, et si derrière il y a une narration qui saura se montrer assez motivante pour en faire réellement une aventure telle qu'on l'attend d'un jeu. Voili voilou. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne, que vous pouvez consulter l'intégralité des streams The Big Game Mosquée avec cette playlist, et que pour les fans de boulettes, il y a une zone shmup ici aussi. Je vous dis à demain, 19h, puisqu'on a une quotidienne. Prenez soin de vous, prenez soin des autres surtout. Ciao.